Ok, allez, on est reparti. On était à la momie. Ça, c'est du boss. Les projections de l'adversaire sont renforcées. L'adversaire a une super protection, mais est ralenti. Super, super protection. Un smash endurance. C'est vraiment le Castlevania basique où t'as une barre de vie et tu vas te défoncer. Bon, grosse protection, Ganondorf. Ness. Hadouken! De Hadouken psychique. Et Vicky Fire. Ah oui, c'est nous. En tout. C'était des momies, fallait les cramer, tout simplement. Et moi j'avais le temps de le faire la première partie. Hein. Tant pis. Je vais pas savoir si les combats sont ou pas, c'est ça le problème. Je suis tellement imprévisible. Et c'est le combattant. Et c'est le combattant quand même. Là on s'amuse. Là on va se marrer. Wario. Là il y a du combattant sympa. Mario qui est un combattant où j'ai eu un peu de mal à débloquer sur Brawl. Je crois que j'ai dû le débloquer en mode histoire. Mais oh, m'envoie ta moto. Moustu. Je t'ai suicidé par la boule, voilà, c'est la boule qui a tout fait. Là on a Wario. Alors il a les mêmes attaques qu'il y a juste en Final Smash qui a changé. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même. Et moi je m'inspire de Brawl, hein. Brawl qui était extrêmement lent, donc facile à manier. Bah, on descend. Hein. Nyaon, les souterrains. Toujours pas ce que ça veut dire. Les environs ont retrouvé leur état d'origine. Oh mais là il y a beaucoup de bouboules là. D'accord. L'attaque spéciale standard de l'adversaire est renforcée. Très bien. Ce sera... Après les Ice Number, c'est un novice quand même. Vas-y, va renforcer mon truc. Oh merde. Il m'a touché. Je suis écœuré. Il faut arrêter les trucs. Il est passé par au-dessus. J'avais la priorité de le toucher et je le rate comme un débile parce que j'ai appuyé légèrement sur haut quand j'ai chargé. C'est les Captain Valve et Nitamak sont les combattants les plus rapides. Mais oui, c'est ça. Moi, j'hésite un peu. Hein. Allen, le combattant principal, des renforts arrivent dans le combat. Ah oui, un Dracaufeu et un... Et un King Carol. C'est beau. Ah, débloquer quoi, deux combattants là? Un combat de choc! Je maîtrise pas le perso! Prends ça et fais pas chier. Faut prendre des trucs. Je prends tous les trophées aide. Que ça aide. La preuve.
Voilà. J'ai balancé boule de feu, j'ai activé deux trophées. C'était l'enfer pour lui, le pauvre. J'avais blessé les trophées, c'est ou c'est de la merde en masse ou c'est ultra pété. Nyonken. Oh, non! Non! Pas lui! Les coups de poing, les coups de coude de l'adversaire sont renforcés, les coups de pied, les coups de genou de l'adversaire sont renforcés, les attaques physiques de l'adversaire sont renforcées. Il n'y a pas le trophée de hostile. Le trophée aide du cauchemar. Vous avez vu l'autre tout à l'heure avec son katana qui m'a cassé les couilles? Eh ben c'est la même! Sauf que lui il est plus traumatisant que l'autre. Je suis en train d'affronter un Ryu ultra badass. Hein. C'est vrai que Knuckle Joe. Quoi, quoi, non, 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 non. Il est nul là. C'est horrible. C'est pas mort, c'est pas mort. Oh oui, merci. Alors là, c'est gratuit. Oh là là. Une fois que j'étais sauvé in extremis. Donc voilà, comme je disais, Knuckle Joe m'a cassé les couilles, mais pas longtemps. Lui, pas longtemps par rapport à l'autre. Oh non, c'est vraiment le trophée de. On n'a pas encore vu Wario. Je pense qu'on va y avoir le droit aussi. Wario avec. Raquette de tennis. Pika-boom. Ça commence vraiment à laguer. Et moi je vais récupérer le magnifique coffre-fort. Oh oui, des sueurs de talent, ouais. C'est bon. Et donc maintenant je comprends mieux pourquoi tout est revenu en état d'origine. C'est surtout pour nous montrer ça quoi. Descends, descends, descends. Oh, pardon. Un raccourci. Je sais toujours pas comment on fait pour remonter. Continuer, y'a rien de mieux. Hein. On va affronter Maria Renard. La poule! On voit une poule! Attention, faut pas se faire toucher par la poule! Blanche-Neige, le truc. Par contre, Blanche-Neige! Avec ses animaux! On voit une poule! Mais non, mais. Ah, c'est pas Ralph, c'est Alf! On met la poule, quoi! Faire harceler par trois poulets, un félin, un dracofeu et un falco, et je suis. Une pauvre merde. Dégage. Et où la poule? Et là-bas la poule. Stop la poule. Stop pas la poule. Ok. Ah ouais, attention, j'ai ramassé la poule. Oh, elle évolue en plus. Un primaire qui évolue. Sur elle, je l'ai pas. N'hésitez pas à ajouter vos favoris, les esprits auxquels vous. Tant pis. Non, 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 non. Il y a combien de boules? Zéro. C'est en bas à droite, mais vous le voyez pas. Une mine. La créature est idéale. Un boxeur mixxl avec un Diddy Kong. Faut du stage électrisé, l'adversaire a le statut XXL. C'est marrant, hein.
J'ai dit le mauvais sol, j'ai pris un poisson. Tu le sais, c'est comme Pokémon. Les Pokémon électriques sont meilleurs contre les Pokémon aquatiques, tu le sais. Hey, si j'étais Wario, ça serait marrant. Petit Wario. Petit Wario, allez. Freineuse, oui. Chaud patate. Igor. Ouais, c'est... Je me disais si ça aurait été le Diddy Kong le 6-7, putain. Excusez-moi, je me suis passé. Et un peu de banane. Double kill! Il est causé par le poison. Ne vous immunisez pas contre le poison. C'est nul. 0 sur 20. Je suis malade sur 20. Il y a un combattant. D'accord. Et moi je redescends, il y a un combattant à sauver. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais putain, il y a beaucoup de combattants à cet endroit en fait. En train de bâcler la fin du jeu. Le début était extrêmement long, mais là. Oh alors. Alors par contre, Ridley, je le maîtrise, mais absolument pas. C'est vraiment ma première utilisation de Ridley. La fois que j'ai affronté Ridley, c'était sur, sur Brawl. Hein. Ouh. Oui. Oh bien joué. Ouh. Ouh. Ça va le saut là? Le saut? Non pas le saut d'eau mais le saut tout court. J'ai eu mon deck qui... Il a dégringolé. Combat qui était ultra pas équilibré, je perds quoi. Partie des lourds le... T'es mort. Et il est vénère là. Oh, je t'ai vu avant. Oh, t'es mort. Doulou. Ouais non ouais. Franchement là Ridley, c'est un gros. C'est du lourd. On sent que c'est les derniers persos parce qu'ils ont des trucs de. What the fuck. Pas vivre les DLC derrière. Des trucs.
quand même un endroit, il faudrait que je fouille là-haut. Je peux pas y aller, pardon. Ah. Mille pardons. Je réinitialiserai, y a pas de problème. Ah ben voilà. Je réinitialise. Ça marche que dans cette zone. Merde. Wow. Et la tour de l'horloge, c'est long. Et le boss est là-haut. Wow. Ah, cette zone elle est très longue. Me permet, hein, je dois. Vous allez bien récupérer mes boulets, s'il vous plaît. On va bien récupérer un boulet. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Merde, un seul boulet. Okay. Pour pouvoir récupérer les trésors quand même. Oui. Les encas, je m'en fous. Je m'en fous des encas. Là, j'ai qu'une boulet normalement. Ah si. Oh. Akuma. Non. Voilà, lui c'est beaucoup mieux. Les armes de contact de l'adversaire sont renforcées. La puissance de saut de l'adversaire est renforcée. Voilà quand même que je pense à taper avec et tuer tous les ennemis en fait. Je pense que je vais faire ça. C'est ce qu'il cherche peut-être, avoir défoncé tous les ennemis pour avoir un truc. Je vais faire ça. Donc je ne réinitialise que dalle. Et je vais tenter. Oh, non c'est bon, j'ai boule de feu. Du saut de l'adversaire, c'est un Marthe. Mais t'es pas libéré, Marthe. Oh, j'ai désingué, c'est un novice. Attaque à l'épée, pousse. Castlevania. Mais Castlevania. C'est bon. Vous avez gardé une équipe d'esprit, vous pourrez également l'utiliser dans les combats Smash. Excusez-moi, je me permets juste de redescendre. Je pense que je vais tenter de défoncer tous les ennemis. Ah, tous les ennemis, je veux dire. Tous les esprits maléfiques. Par exemple, ici, il faut que je. On est bien. Et là-bas, on est bien aussi. On réinitialise que dalle, on a tout défoncé. On remonte. N'importe par où je passe. Et j'ai des boulets d'avance. Non, je vais pas affronter Akuma Matata. C'est hors des questions. Edgar, c'est beaucoup mieux. Picarol. Un Smash Endurance. L'adversaire a une super protection mais ralenti. La défense de l'adversaire est renforcée. Et toujours les mêmes combats, mais pas les mêmes combattants. Link Cartoon. En mode Dark Link Cartoon. C'est pas mal, c'est pas mal. Link. Bah on a eu Zelda, on a eu Ganondorf. On s'est tapé le Link. C'est pas le bon, mais on a eu un Link quand même. Smash Endurance. On va des boomerangs. Des flèches aussi. Des flèches, plein de flèches. Merde. Final Smash! Bravo Link Cartoon! Tu as vaincu un novice! Avec du poids!
plus de poids. Ce type est lourd. J'ai pas débloqué King Carol encore. Je me débrouille pas mal avec King Carol. Je suis pas bon, mais je suis pas mauvais non plus. Oh putain, Kirby le pauvre. L'adversaire est invisible. Le bouclier adverse est renforcé. Il reste encore pas mal de persos qu'on n'a pas encore vus. Donc ceux qu'on a débloqués. Le Tridley. Shake. Pour les mêmes. J'ai 50 persos maintenant, merde. Peut-être que je peux, mais le RNG fait que c'est de la merde. Mais alors ? Oui. Je peux pas voir comme vous. Je vais te voir. Je suis à 109%. Je te vois plus. C'est celui qui fume là-bas. Tu le vois, il fume. Genre, c'est toi qui me tape. Genre, c'est toi qui m'as tapé. Boo peut peut-être évoluer en King Fabu, en King Boo ou en Mega Boo, ou en groupe de Boo, ou plein de trucs dans le genre. Mais bouffe, c'est bon quand même. Alors qu'est-ce qui protégerait Boo? C'est pas quand même pas bien des top, hein. Un pic maléfique. Le pic maléfique. Ah si, j'ai quand même roi d'Adidou, j'avais pas vu. J'ai roi d'Adidou. Il est très bien roi d'Adidou. Et Little Mac, toujours les mêmes. On n'a pas vu Pichu. C'est très gros temps, on l'a pas vu. Il est très bien là où il est, le Pichu. Little Mac, je me bats l'épée. C'est pas bien, vraiment pas que je c'est la merde. Bing bing bing. C'est comme ça pour Chaos. Bing brut. C'est comme ça qu'on faisait. Oh, j'ai trop bien fait. T'es KO. Je n'ai pas le KO, il faut appuyer sur B. J'ai percuté. Là, on peut pas y aller. On va affronter la mort. Il n'y a pas d'autres gars qui peuvent l'accompagner, comme un Draco Feu ou non. Tout va bien. Subissez de lourds dégâts. Vous êtes plus difficile à éjecter. L'adversaire est équipé d'une faux de la mort. Oui, évidemment. La mort et sa faux. Faut pas déconner avec ça.
Sonic. Peut-être pas le meilleur perso de l'univers. Il n'est pas bon. Ah ah, t'as renforcé avec ta faune laveur. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai encore une qui bouge. Ça suffit. J'ai pris cher. J'ai mal. Qu'est-ce que je fais? Arrête. Non, j'ai appuyé ça. Ouais. Bah oui, hein. Continue. J'ai suicidé comme une merde. J'ai fait boule. La boule, ça marche bien. Quand tu vois que tu subis 100% de dégâts, heureusement que t'es difficile à éjecter. Renforce ta boule. Ça suffit. J'ai mal. Oh, je suis mort. Chaud, chaud, chaud. Ah, faut que je fasse gaffe quand même. Le début est bien, mais le problème c'est que je suis Sonic. C'est le problème, Sonic. On sent qu'il y a un truc qui cloche. Hein. Il est super rapide, mais il fera les gros. Jimmy. Pim pim pim. Attention. J'ai mal. Putain. C'est trop dur. Sonic est trop rapide, trop léger, il saute partout, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe, perso? Pourtant, c'est un perso bro là, je vais vraiment sortir. Ah, piège! Rien. Arrête de sauter! C'est chiant, Sonic! Rebondis! Tu fais fausser. Il faut fausser. Il a fait un smash fou et il m'a explosé en mille morceaux de d'hérisson. C'est où? On le harcèle. Il est à 100% enculé. Il s'est rapproché, il a fait boubou, il m'a fait faux. Ah, vétéran de merde. Boule de feu, on change pas. Arrête, ça suffit. De la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. À changer de perso, ça continue. Ça va être très long avec Sonic. En tout cas, je suis à 100%, je fais plus de dégâts. Je change pas. Des piquets fire.
Tu t'appelles Ness. Ness en adulte. Esquive, esquive, esquive. Okay. Je pense aux 14% quand même. Approche pas. Approche pas. Approche pas. Approche pas, je te dis. Saute, saute, saute. La merde, la fleur. J'ai du mauvais côté, mais nique ta mère. J'appuie sur droite, culé. Voilà. On voit que j'appuie à droite, non? On l'a pas vu. J'appuie sur droite après B. Le mec, il... je sais pas, c'est un hérisson de merde, il sait pas, connaît pas sa droite de sa gauche. La boule de feu est passée à côté de la boule de feu. Ah, tu te calmes. Tu te calmes. On profite hein, que je prenne beaucoup de prison. Où? Chou, chou, chou. Bouche à notre passe. Bouche à notre passe. Rien du tout. De l'autre côté. Bouclier. Oui, je l'ai eu. Allez, mur. Prenne, découvrir. Guérison après KO. Vous mettez un adversaire KO, vous gagnez des PV. La merde. Bon, c'est la mort, dans Castlevania, la mort c'est dur. Répondre quelle mort hein. Les morts sont. Les ennemis redoutent. L'argent se soigne en bloquant les attaques. Les contacts sont renforcés. Alors pourquoi j'affronte du Belmont alors que je m'approche de Dracula? C'est pas normal. Encore Samus sans armure. Ouais, je pense qu'après la deuxième coupure, je vais essayer de voir pour les lags encore une fois. Bim, je l'ai. Le pauvre Belmont. Je l'ai dézingué. Ça change de Sonic. Le vendeur de masques. Le combat dans le temps imparti, la puissance de saut des combattants est renforcée, tous les combattants sont plus rapides à quelques instants. À quelques instants. Juste un... Attaque, vitesse, puissance de saut augmentée. C'est la règle. C'est pas ce... C'est pas son thème à lui, le truc. Switch. Un chat ! Coup de batté, c'est fini. Avec le masque Mario derrière, pour être...
Coup de batté. Facile. Pauvre. Ah, je suis chaud, là. Il y a eu d'autres combats qui m'ont énervé, donc... Ah, c'est quand j'ai affronté Dracula, ça a tapé. Mon truc, mais de boulet. Excusez-moi, mais ce truc là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas où je dois aller. Oh putain, je dois vraiment affronter le Legendary pour remonter tout. C'est chaud quand même. On verra ça peut-être la semaine prochaine. C'est un combattant en plus. Ouais, mais je sais pas comment activer le truc. Bon, on continue. On est à la tour de l'horloge de toute façon. Moi, mais je crois qu'il y a un petit souci là. Je... Ça fait quoi ça? Et deux boulets. Oups. Ah mais je vais tomber des rouages. Ah oui, c'est vraiment parfait au fruit, mais... Et bien celui-là. Mal à tout casser comme un débile. Pas le bon chemin, il y a un combattant là-haut. Ça a été refait. Un très bon thème de Castlevania là qu'on entend. Wop, évidemment. Physique, hein. Moi, c'est juste de renforcer ma boule de feu. C'est bon. On a plus rien à faire, je crois. C'était ultra difficile, hein, le pauvre loup-garou. Ça peut être un boss comme ça peut être un mob de base, hein, le loup-garou. Je crois qu'il n'y a que la mort qui a jamais été un mob de base. Ah oui, même Belzebub, je crois, il a pas été... Il y a quand même 2-3 boss qui ont tiré leur épingle du jeu. Allez, te remettre à l'origine, promis. Je vais tenter l'expérience quand même. Il y a quand même beaucoup d'esprit là. Ça fait quoi ça? Ça fait que dalle. Et du bas, tout le temps. Non, pas par là. Salut, Gala. Ouais, ils ont changé leur position. À gauche. À Lucar carrément. Oh, je n'ose même pas m'approcher. Des trucs qu'il faut que je débloque là, c'est pas possible. Allez, il faut qu'on se balade dans cet endroit, c'est un vrai labyrinthe. Encore tellement de trucs à combattre là. Où sont les passages secrets? Combat sans fioriture.
Golden Sun comme thème. Link Cartoon, toujours les mêmes. Greg est juste passé faire un petit salut, non? Y'a rien d'autre, gars-là? C'est un petit peu plus bavard d'habitude. Ça sort un petit coucou sympa, mais. Je peux jouer, moi? Apparemment, je peux jouer. Mais non, pas ça! Pourquoi t'as fait des boomerangs? Mon Link Cartoon fait de la merde. Vous voyez, je fais de la merde avec Link Cartoon. Ça dégage les gars. Non, pas moi. Mon démon, il me casse les couilles. Boomerang. Ah, j'ai horreur de cette map là. Rien d'autre, tu me regardes. Putain, le bouclier de merde! Merci. Oh, j'ai honte. Oh, j'en nique le micro. T'es là. Mais putain, le bouclier! Le mec qui se retourne. Oh, merci. N'importe quoi, c'est fini. N'importe quoi. Non, ça vaut même pas de GG, ça. C'est l'ennemi qui se retourne pour que je l'achève plus facilement, quoi. Au lieu que moi, je me déplace, non. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de pas bouger. J'avais juste l'air d'un gros guignol. Mais il a bougé. C'est con, hein, une intelligence artificielle comme ça. Parfois, j'ai un autre problème. Ah non, je veux pas. Faut Takuma, quand même. Faut Takuma. J'ai vraiment oublié d'avoir Takuma. Il paraît dangereux quand même. Hein. Un smash endurance. Les attaques spéciales d'adversaires sont renforcées. La puissance de saut des combattants est réduite. Un Ryu vénère. Il va faire des dingues en 2-2. Je peux être les Ice Climbers pour avoir une petite chance. Et encore. Diddy Kong, oui. Oui! Il balançait des pots de banane sur Akuma. Prends ça! Putain, j'ai pas beaucoup de PV. Il m'a mis 3 coups, je suis mort! C'est la merde! Il est pas censé être plus foncé la couleur de peau d'Akuma. Pfff. C'est censé être maléfique. Cacahuète! Cacahuète! T'approche pas! Il m'empêche de. Cacahuète! 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 Boubou, esquive, esquive! Esquive! Cacahuète! Merde! Elle m'a dézingué! Piou, 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 fusée, ouais! Je vais une fusée! Oh, il a pas de truc! C'est horrible! Bravo Diddy Kong en deux essais le légendaire. Deux essais. Je rappelle, je suis en difficulté normale. C'est pas encore la grosse difficulté de ouf. Mais en difficulté normale du légendaire, c'est déjà. Mais là, je me fais dézinguer là. Non, mais. Un canon, s'il vous plaît. Comme ça, je parle pas des jolies filles. J'ai défoncé Akuma pour rien, fais chier! Je suis obligé d'affronter à Lucas.
Ok, attendez, il y a peut-être un passage ici. Descends! Ah, je peux faire que aller. Je veux pas aller. Allons visiter. C'est moi un truc pour défoncer un coup de canon ou je sais pas quoi. Là. Encore un boulet. Il n'y a rien d'autre. Dès taper sur l'ennemi, c'est fini quoi. Il y a rien, S'il te plaît, fais un effort. Ouais, je vais pas me bloquer. On peut pas faire la map? Je crois qu'on peut pas. Hein. La map est très grande. Ouais, je peux pas. Vraiment, la mémoire. Que je n'ai pas. Là, j'ai tout fait normalement. Y a rien d'autre. Là, je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Y a plus d'ennemis. Hein. Là-haut, y a rien. Je suis en train de refaire tout le tour. Bah alors là. Une petite porte ou je sais pas quoi là. Ça a déjà fait. Niveau de la mort, non, y a rien, je crois. Non, y a plus rien. Désolé pour ce petit contretemps où j'essaye de me balader pour essayer de voir comment débloquer ce combattant là. Désolé pour. Remonte. Je vais pas tarder à m'attaquer au lag, hein, vous inquiétez pas. Ah, je sais, ça y est. Je sais comment débloquer le combattant. Enfin, je crois. Félicitations, vous avez fait de la merde. Je sais pas quoi faire. Je fais ça. Ok. Ok. Et j'ai toujours le même problème. Hein. Toujours affronter à Lucard, c'est pas bon. Je vais débloquer le combattant là, je veux pas affronter à Lucard, c'est dangereux. Attends, il y a un truc là. C'est à quoi ça? À faire parler les cons, mais ça marche bien, dis donc. Bon bah. Je vais rebrousser. Il manque 2-3 trucs. Mais non, mais. Là, descend. À droite. On réinitialise. Là. On remonte. On enclenche le truc. T'as rien de voir ce qu'il y a. J'aurais peut-être pu regarder ce qu'il y avait en bas. Peut-être qu'il y avait un truc en dessous que j'ai pas bien regardé. Vraiment, il se passe rien quand on voit les boulets. Voilà, je pense que cette config est mieux parce que j'ai encore pas mal de boulets. Et donc, malheureusement, je dois faire la deuxième coupure maintenant parce qu'à Lucard, ça va être chaud et... Et voilà, donc je sais pas ce que vaudra Lucard, mais je voudrais régler mes petits soucis de lag, donc je reviens tout de suite. A tout de suite les gens!